Cette initiative est réalisée dans le cadre du Fonds commun pour la voix et le leadership des femmes au Sénégal, en partenariat avec CECI et d'un consortium de 6 grandes organisations féminines. Le choix de la région de Kédougou pour la mise en œuvre de cette campagne n'est point fortuit. Kédougou est une zone d'exploitation de ressources naturelles et minières, région assez riche et assez pauvre à la fois. Qui dit zone minière dit forcément enjeu sécuritaire. Qui dit zone frontalière dit forcément enjeu sécuritaire. Et tous ces deux critères sont aujourd'hui réunis ici à Kédougou. L'exploitation aurifère aujourd'hui dans cette région nous a conduit à beaucoup de choses. Aujourd'hui, tous les vices sont dans cette région-là. Il y a énormément de violences qui sévissent dans ces zones. Une pauvreté avec son lot de désolation. La promesse de l'or maintient un espoir de développement au niveau des populations, des hommes, des femmes, des enfants, des filles, des garçons. C'est pourquoi toutes les activités seront centrées autour de la sensibilisation des communautés sur les enjeux de la sécurité humaine. Aujourd'hui, cette campagne est venue pour faire une sensibilisation, une mobilisation pour voir quel est le véritable problème qui se trouve dans ces zones et essayer d'apporter des solutions dans la sensibilisation et dans la communication de masse. Raison pour laquelle nous saluons à juste titre cette initiative qui va dans le sens de vous sensibiliser sur le rôle que vous avez à jouer. Et cette sensibilisation vient à son heure, je vous en remercie. À coup sûr, cette campagne contribuera à la création d'un cadre de veille sociale et de gestion de la sécurité humaine dans la région frontalière de Kédougou, région où prolifèrent plus d'une centaine de sites d'orpaillage. Nous sommes voisins à des pays qui aujourd'hui sont confrontés à de réels problèmes de sécurité. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas à l'abri de cette menace terroriste, étant entendu qu'il y a des pays voisins qui sont actuellement confrontés à cette difficulté. Le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CDAO a réitéré son engagement pour l'atteinte des objectifs de cette campagne. Le RESPECO œuvre de manière inlassable pour l'atteinte des objectifs communs avec une seule viatique, servir l'intérêt cardinal des femmes, des filles et booster la résilience de nos communautés, surtout en matière de paix et de sécurité, mais aussi de participer au développement du capital humain. Le représentant de l'État s'est réjoui de cette initiative des parties prenantes engagées dans cette campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire. Quand un partenaire décide d'accompagner l'État dans cette mission, nous ne pouvons qu'en retour lui manifester notre entière disponibilité à l'accompagner, mais aussi remercier le partenaire. En plus du réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CDAO, les autres organisations membres du consortium, notamment le Forum des éducatrices africaines, FAWE, l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, le Rassemblement sénégalais pour le bien-être de la femme et la Fédération des associations féminines du Sénégal, PAFS Bureau Saint-Louis, joueront leur partition. La coordination des efforts au-delà des pays, des frontières, est le symbole de notre engagement commun pour faire de notre contrée des arbres de paix, de sécurité et de développement harmonieux. Donc, RESPECO ne travaille pas seul dans cette campagne. Nous sommes en synergie avec RASBEF, avec FAWE, avec l'AMLD, avec FAPS, avec la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Donc, nous espérons vraiment que cette campagne, les objectifs qu'on attend de ces campagnes, qu'on puisse le réaliser, bien sûr, avec la population, avec la communauté. Afin d'aider les acteurs et les communautés locales à développer des stratégies de plaidoyer sur les priorités sécuritaires dans la zone d'intervention, le représentant de l'État a formulé des recommandations. La sécurité n'est pas que la prérogative de l'État. La sécurité n'est pas que la prérogative des forces de défense et de sécurité. Chaque citoyen, quel qu'il soit, qu'il s'agisse des hommes, des dames, des jeunes, chaque citoyen a son rôle à jouer sur le plan sécuritaire. Et aujourd'hui, tous les acteurs sont invités à s'impliquer dans ce noble combat afin de permettre aux femmes de s'épanouir et de jouir des mêmes droits que les hommes. L'école a un rôle central à y jouer. Les femmes, elles font presque 50% de la population.
Un pays ne peut pas se développer quand il y a la moitié de la population dans l'ignorance. Ce n'est pas possible. Et c'est l'école qui peut régler ça. Il faut que nos filles aient resté le plus longtemps possible à l'école.